Salut à tous, Pascal, Nouvelle-Calédonie. Alors là, une revue un peu spéciale quand même pour moi. Pour moi, ça me touche beaucoup ce qui m'arrive aujourd'hui en fait. Alors c'est pas un reviewer, c'est une personne que vous connaissez. Donc c'est Pascal. Alors je vais écorcher le pseudo. Pascal Schwartz. Qui a son petit bonhomme vert là, je sais plus comment ça s'appelle en logo là. Donc on s'est contacté un petit peu et donc il a voulu me faire plaisir en m'envoyant 2 3 liquides de France. Toujours est-il que c'est ce qu'il m'avait dit au départ, donc moi je lui ai filé mon adresse, il m'a envoyé tout ça. Et puis bah là en fait comme vous savez, j'ai commandé des produits aussi, pas mal de matos aussi dernièrement et ça a été Noël pour moi. Et là j'ai été à la poste aujourd'hui et j'ai reçu son petit colis. À son petit colis. Voilà. Il y a du matos de partout. Il y a du matos de partout. Donc là, alors dans un premier temps, c'est évidemment une vidéo de remerciement parce que ça me touche beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de matos chez nous et que là, sur le coup, je vais pouvoir m'éclater grave. Je vais pouvoir m'éclater grave. Et dans des liquides, donc voilà ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai 5 liquides. 5 liquides différents, donc 3 marques a priori. Il y a des batteries, donc 2 18, 18650, 2 18350, qui sont a priori pas les mêmes. Et c'est vrai qu'en revenant des batteries, t'en as parlé, d'autres personnes en ont parlé, mais je vais essayer de me poser dessus un peu sur les batteries. J'ai pas bien compris tous les mails que tu m'as envoyés pour l'instant. Mais faire un check-up sur les batteries, ça peut être pas mal, parce que c'est vrai qu'a priori, il y a plusieurs marques, il y en a qui seraient plus ou moins bonnes, ou en termes de charge, ou en dangerosité, entre parenthèses, par rapport à ce qu'on fait, donc à regarder. On va peut-être se poser là-dessus. J'ai reçu cette belle twist de chez Vision. Donc voilà, ce qui me fait dire quand même que ce que j'ai commandé dernièrement, moi, parce que là, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est assez agréable. Donc voilà, c'est du matos forcément que j'avais pas. Le Itast SDV, donc oui, j'en ai un dans la main. Comme tu m'as dit, tu l'avais déjà envoyé avant de voir, j'avais reçu le mien. C'est pas un problème du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Tout simplement parce que j'en aurais deux. Et que j'ai mon épouse qui commence à se mettre un petit peu à ces choses-là. Pas forcément qu'elle le fait, mais. Elle commence à vapoter un petit peu plus sur du matos comme ça aussi. Quand je m'en occupe, bien entendu, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout la même restitution avec des choses comme ça qu'avec des petites batteries Go. D'autant plus que de ce que j'ai commencé à regarder très rapidement, ce ne seraient pas les mêmes. Donc, on a peut-être d'un côté, laquelle je ne sais pas, peut-être d'un côté une copie et de l'autre côté un original. Donc voilà. Pour la sienne, rien que déjà par rapport au bouton, sur celle-ci on a un bouton transparent, enfin un switch transparent, et là on a un switch de couleur noire. Donc déjà on va peut-être regarder un petit peu les deux, comment ils sont faits, le poids, le machin, le truc, voir un peu lequel des deux pourrait être une copie, les défauts, les qualités, et je pense aussi que avoir deux mêmes choses par exemple pour tester des liquides, moi ça peut me convenir carrément, c'est-à-dire que si on teste deux liquides, eh ben, au moins on a la même restitution, en tous les cas le même matos. Donc évidemment, pour moi, ça ne me pose aucun problème d'avoir un doublon. Évidemment, très très heureux. Ensuite, il y a du fil résistif aussi dedans. Donc du Cantal. Ça, j'ai pas du tout. Donc là, c'est super. Voilà, ça y est, je vais commencer à pouvoir refaire. J'ai essayé de refaire le V9 la dernière fois avec des choses qui étaient déjà préfaites que j'avais reçues. Là, c'est top. Deux autres petits reconstructibles. Et voilà. Et de la mèche. Et là, bon, voilà. Je sais pas quoi dire de plus qu'un grand, grand, grand merci à toi. Maintenant, évidemment, j'ai l'habitude de parler prix, donc je vais parler tarifs. Là, sur ce coup-là, il y a eu une taxe en douane. La dernière fois, tout le matos que j'ai reçu de Chine, zéro taxe. Là, j'ai eu une taxe en douane en fait. Alors là, évidemment, pour les douanes, les gars, un côté vous taxez, ça vient d'un fournisseur, d'un fabricant, vous ne taxez pas. Et là, ça vient d'un cadeau
Donc soit famille, soit copain, et là vous taxez un colis qui arrive. Donc ils ont taxé sur la valeur avec le transport, donc la facture qui se trouvait dedans, plus le transport, combien ça a coûté. Donc évidemment, ils mettent aussi une taxe sur le transport, on va pas revenir dessus, on a déjà parlé. Donc là, ils m'ont mis une petite taxe de 3 698 francs CFP. Évidemment, j'ai encore pas fait la transaction. Allez, 3 700 balles. 3 700 divisé par 120. Donc, ils ont mis une taxe de 30 euros. Bon, évidemment, là, moi, j'ai pas à me plaindre. Hein. C'est pas parce que j'ai payé 30 euros que je vais me plaindre. Loin de là, loin de là, loin de là, loin de là. Donc voilà. Donc pour du matos, c'est du cadeau. Donc en fait, je vais pas donner de prix. Voilà, bon bref, voilà, ils m'ont mis une petite taxe dessus, rien d'importante. Ça, c'était pour les douanes calédoniennes. Et écoute, bah Pascal, bah encore un grand merci. Maintenant, je vais me mettre évidemment, je pense dès ce soir, mais là j'ai encore pas mal de taf et pas mal de rendez-vous jusqu'à tard. Donc je ne sais pas si je vais réussir à en caler une ce soir. Mais de toute façon, je vais attaquer évidemment par ça, par les liquides. Parce que là, j'en ai déjà qui me font bien envie, évidemment. Merci, merci, merci. Ah, il y avait ça aussi dedans. Donc, j'ai cru voir sur 2-3 vidéos. Et là, moi, par contre, je débute complètement dans le reconstructible. Donc, ça va être top. Je vais pouvoir m'y mettre. C'est de la balle. Merci, merci encore. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et puis, ben voilà, ça va faire l'objet forcément d'autres vidéos à venir. De tester tout ça, retester les batteries, faire des tests entre les batteries que j'ai moi déjà, Made in China et celle-ci. Donc, enfin Made in China. A priori de moins bonne qualité que ce que j'ai reçu, de ce que j'en ai déjà regardé. Merci beaucoup à Pascal, merci pour ceux qui nous suivent, et puis bah, à bientôt pour des revues pour tester tout ce qui vient encore d'arriver. Ciao, ciao. Ah si, peut-être que sur les liquides que j'ai reçus, je me tâte avec les 60 millions d'amis qui viennent de nous foutre le bordel. J'hésite, on verra sur la prochaine vidéo si je vapote encore ou si je me tape une petite camelle. Allez, ciao, à bientôt.